Non, elle avait été vraiment exceptionnelle. Exceptional. If he has a word, it's exceptional. Parce que ce qui m'a frappé, c'était un pays très propre, mais ce n'est pas seulement la capitale, même là on a été, même au port, c'est très propre. He is very impressed how it's clean all over the country, and that is just incredible. Ensuite, on a eu à visiter le monument réservé aux Eolo, qui se sont battus, et ça c'est extrêmement important pour que la jeunesse sache que ce n'a pas été facile, il a fallu que des gens meurent pour qu'ils aient l'indépendance. He was very sensible that you have a memorial, a very nice memorial, and it's very important that the youth understand that in the past people have chosen to lose their life to build your future. Ensuite, on a visité une usine de transformation des bœufs pour l'exportation et ça nous a beaucoup impressionnés. They were very impressed by the beef, well, your production for the meat. It's very impressive. Ensuite, on a été voir aussi comment ils exportent le poisson, comment ils transforment, qui emploient, au lieu de le faire mécaniquement, ils emploient beaucoup de monde, donc ça donne du travail à beaucoup de femmes. Ok, we've been also to the fishing department and he was very impressed that you choose to keep workers and giving jobs to women and youth instead of machinery as we have to see all over the world now. So he was very impressed by that. Et bientôt, il va avoir un des ports les plus importants en Afrique, parce qu'il est en train de faire un nouveau port dans la profondeur de 16 mètres. Donc il peut servir pour beaucoup de Botswana, Zambie, même l'Angola et le Congo Kinshasa. And he's very happy to see that you are building a new port who will be a hub for all this region, and he's very proud of that. He's very proud of Mr. President. Et la prochaine fois, je viendrai pour aller au bord de la mer pour du tourisme. And next time when he will come, it's for tourism. Thank you so much. Au revoir. Thank you.